Schweizer Meister, Schweizer Arsenal-Sieg. La première coupe était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel pour moi parce que c'était mon premier titre avec le FC Zurich. Donc je pense que le premier, ouais, c'est toujours une saveur particulière. Ouais. Le premier sacre. Ouais. Vous vous attendiez à pouvoir aller aussi loin dans le football quand vous étiez plus jeune? Je me posais pas cette question. Je voulais vivre de ma passion. Moi, je voulais être footballeur, ça c'est sûr. Mais après. Ouais, bien sûr, on rêve, mais on pense pas forcément quand on est jeune qu'on va pouvoir le réaliser. On est juste dans l'instant présent. C'est clair, on rêve, mais on se projette pas trop loin. J'ai pas l'impression, si mes souvenirs sont bons. Justement, après vos débuts assez précoces à 17 ans à Lausanne, vous partez à Xamax. Et puis Xamax, c'est la confirmation et ensuite la consécration avec ce premier titre. Et puis voilà, trois titres nationaux et une coupe avec Zurich. Vous, comment est-ce que vous avez vécu cette progression qui était, somme toute, assez régulière, assez rapide? Tout est allé très vite. J'étais au Lausanne Sport, j'étais bien au Lausanne Sport. Après, il y a eu la faillite du club. Donc, c'est soit je partais en deuxième ligue interrégionale ou soit je partais. Donc, j'ai eu l'opportunité d'aller à Neuchâtel Xamax. Et c'était un peu. Le cas était assez similaire parce que Neuchâtel était en difficulté financière. Ils m'ont dit, Xavier, on doit te vendre. Et puis, j'ai reçu une offre du FC Zurich. Donc, je suis parti à Zurich. Je ne voulais pas forcément partir, mais j'ai eu cette bonne offre avec Lucien Favre comme entraîneur, donc c'était une super opportunité pour moi. Et puis après, on a enchaîné, on a gagné une coupe, puis après deux titres, puis après je suis parti en Espagne. Et justement, ce départ pour Zurich qui n'était pas forcément prévu, pas dans les plans, maintenant avec du recul, est-ce que vous dites que c'est quand même une décision qui vous avait permis de prendre votre envol dans votre carrière? Ah, c'est clair. Parce que avec Neuchâtel Xamax, on jouait plus le maintien au milieu de classement, même si à cette période-là on était bien, mais ils n'avaient plus les moyens d'avant. Donc pour moi, de partir à Zurich, un club qui voulait absolument jouer le haut du tableau, jouer le titre à moyen terme, à court et moyen terme, pardon, c'était le palier le plus important à franchir. Ouais. Ce palier-là, vous l'avez franchi comment? J'imagine que ça devait être assez exigeant. Cette transition, comment vous l'avez vécue? Mais assez facilement. Assez facilement? Assez facilement, étonnamment. Parce que quand je suis arrivé à Zurich, j'ai tout de suite joué, marqué et fait des passes de but. Donc ça s'est fait naturellement, sans forcément avec de grandes difficultés. Tout de suite, le club m'a fait confiance, et Lucien Favre aussi. Donc ça s'est fait tout naturellement, sans vraiment de grandes difficultés. Qu'est-ce qui fait que ce soit à Lausanne, à Xamax ou à Zurich, dans le début de votre carrière, tout se passe d'une manière absolument limpide? Rien n'arrive par hasard. C'était quoi le secret? Je ne sais pas. Non. Après, quand je suis arrivé à Neuchâtel Xamax la première saison, c'était pas facile parce que je me suis fait une luxation de l'épaule, donc j'ai raté 4 mois. J'avais raté l'Euro M21, je me rappelle. Mm-hmm. Et après, il y a un nouvel entraîneur, donc je me posais la question si je ne devais pas partir en Challenge League. Et puis, parce que je ne jouais pas beaucoup en Super League cette saison-là. Donc, et puis un nouvel entraîneur est arrivé, il m'a dit, écoute, non, on va te faire confiance. Et puis j'ai fait 6 mois super, 6 mois avec Zurich, et puis équipe nationale A. Donc en une année, il y a eu tellement de choses. Je voulais aller en Challenge League parce que je voulais plus de temps de jeu. Puis l'année d'après, j'étais en équipe A. Vous rendiez compte que ça allait aussi vite? Non, pas sur le moment. Mais je me suis jamais focalisé sur le fait de jouer ou pas jouer, ou bien sur les éventualités. Je me suis dit, OK, je dois progresser dans ce paramètre-là, dans ce paramètre-là, dans ce paramètre-là. Puis après, les choses vont venir naturellement. Puis j'ai fonctionné comme ça. Ouais, donc le travail en premier, ouais. Et ensuite les choses, si elles doivent venir, exactement, viendront naturellement. Ouais. Et je pense que en travaillant juste, bien, et moi, ma devise, c'était de tout donner pour jamais avoir de regrets. Et aujourd'hui, vous avez des regrets? Non, pas du tout, non, non.
c'est ma carrière, voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, j'ai beaucoup appris. Et, ma carrière, elle est comme elle est, mais pour l'investissement, j'ai aucun regret. Dans les hauts, si je vous parle du 4 juin 2005 et je vous évoque Svangars Karø, est-ce que ça vous parle? 4 juin 2005, c'est Suisse, Île Féroé? Exactement, Île Féroé et Suisse, oui. Exactement. Votre première sous le maillot de la Nati. Oui. À ce moment-là, comment on dort la veille? Qu'est-ce que ça vous fait? Mais j'étais pas, c'était pas prévu que je sois avec la Nati, mais en fait, il y a eu une blessure. Et ils m'ont convoqué après coup. Et c'était un rêve de gamin. Je me rappelle, je regardais tout le temps avec mon frère la cassette Hop Suisse. C'était la campagne des qualifications pour la Coupe du Monde 94. Du monde 94. Et il y avait Chapuza, il y avait Aurel, Otiger, Bregui, si je me souviens bien, on la connaissait par cœur. Puis après, de se dire qu'on peut jouer avec l'équipa, c'était un rêve qui se réalisait. Donc, et en plus, ce qui était assez drôle, c'est qu'ils m'ont fait rentrer, puis j'ai fait une passe de but, et puis on a gagné. Les choses vont s'accélérer, vous prenez de plus en plus de temps de jeu avec Obi Kuhn, et puis il y a la Coupe du Monde 2006, vous entrez en cours de jeu face à la France, sur le terrain, Zinedine Zidane, Henri, Vieira, Barthez. Quand on a 22 ans et qu'on vient du FC Zurich, est-ce qu'on est un petit peu impressionné? Oui, mais encore une fois, on essaie de sortir de ça. Ouais. Bon, déjà, de pouvoir faire la Coupe du Monde, c'était un truc incroyable pour moi. Donc, c'était vraiment un truc monstrueux de pouvoir vivre ça. Ça reste une des plus belles expériences pour moi en tant que footballeur. Et après, de pouvoir rentrer contre la France, de voir toutes ces stars. Mais quand on rentre sur le terrain, on ne pense plus à ça. On pense simplement à sortir le meilleur de soi-même et puis d'essayer de gagner. Et puis d'aller le plus loin possible. Été 2007, il y a Osasuna qui vous fait les yeux doux. Hein. Après la Coupe du Monde 2006, vous avez encore joué une saison avec Zurich, ça se passe très bien. Du coup, vous intéressez énormément le club espagnol qui est venu vous voir une douzaine de fois ici en Suisse. Osasuna qui reste sur une demi-finale en Europa League. Du coup, cette aventure à l'étranger, c'était tout naturellement qu'il fallait y répondre positivement? Oui. Bon, ce qui est assez drôle, c'est que... Une année avant, j'avais Francfort et je voulais absolument aller à Francfort. Ah. Et le club m'a dit non, tu pars pas. Puis il me restait une année de contrat. Donc j'ai dit si je pars pas maintenant, je partirai libre. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, tu regrettes pas d'être allé à Francfort? Non. C'est pour moi, le football espagnol, c'était parfait. Donc je suis parti libre parce que j'avais plus de contrat avec le FC Zurich. J'étais très frustré d'avoir pas pu aller à Francfort. Mais après ça, j'ai eu la chance de regagner un titre, donc ça allait très bien. Mais sur le moment, des fois, on est un petit peu frustré parce qu'on veut franchir un palier. Mais en fait, le fait de rester à Zurich et de regagner de nouveau un titre, de confirmer, c'était peut-être la meilleure solution. Après l'Espagne, Osasuna, 3 mois très compliqués. Je crois que je n'ai pas joué une minute. Ouais, ça allait trop vite. C'était compliqué au début. J'allais justement vous en parler. Le choix de l'Espagne, championnat très technique pour un pied gauche comme le vôtre, hein, très, très habile, très remarqué, c'était l'idéal, non? De pouvoir partir dans ce championnat-là. Non, c'était parfait. Après, je suis arrivé dans une équipe où il y avait beaucoup de qualité, où ça allait très vite. Une autre méthodologie d'entraînement. Donc j'ai eu besoin de temps pour m'adapter, mais ils m'ont laissé le temps. Puis après, j'ai enchaîné 13 matchs, quoi. Puis après, je me suis blessé. Qu'est-ce qui était le point le plus dur dans l'adaptation, dans l'intégration? C'était la vitesse de jeu. Ça allait beaucoup plus vite qu'en Suisse. Donc c'était beaucoup de jeux dans des petits espaces, avec beaucoup de rythme, en une touche, en deux touches. Il fallait prendre des informations beaucoup plus rapidement. La vitesse d'exécution devait être beaucoup plus rapide avec ballon. Donc c'était un gros changement pour moi, oui. Du coup, il y a effectivement une dizaine de matchs un petit peu compliqués, mais ensuite vous parvenez à vous faire votre place dans le 11. Il y a même ce match face au Real des Sneijder, Cannavaro, Raoul. En termes de niveau de jeu, après l'adaptation difficile quand vous êtes arrivé dans ce championnat espagnol, très très rapide, en termes de niveau de jeu, là, est-ce que vous étiez au top d'après vous? Je pense que j'étais très bon niveau après à votre top, hein, ouais. Donc j'entends. Ouais. À ce moment-là, oui.
je pense que j'étais vraiment au top et puis il y a eu cette blessure. Donc ça m'a freiné, en plus j'ai pas pu faire l'Euro 2008 en Suisse. Donc c'était un vrai coup dur par rapport à ça. Ouais, ouais, effectivement, cette blessure, on va en parler. Ça intervient lors d'un match amical face à Eibar. Triple rupture, je l'ai noté, ligament croisé antérieur, ligament latéral interne et ménisque externe. À ce moment-là, comment est-ce que vous encaissez le choc ? C'était vraiment pas facile, parce que je m'attendais pas à voir ça. C'était votre première grosse blessure, à part un pépin à l'épaule quand vous étiez à Lausanne. Ouais. Donc, mais ils m'ont dit tout de suite, il y a les croisés. Quoi, les croisés ? C'était une grosse blessure, donc. Mais sur le moment, j'avais pas ce sentiment-là. C'était encore chaud, donc je me suis dit non, ça va aller. Puis après l'IRM, ils m'ont dit ouais, tu en auras pour une année. Là, c'était dur, ouais. Là, du coup, ben, vous voyez l'Euro 2008 en Suisse vous échapper, alors qu'on vous annonçait en doublure d'Akan Yakin, vous auriez eu du temps de jeu, vous auriez eu une vraie place. On imagine que ça ne doit pas être facile à traverser comme période. Alors, à quoi vous êtes rattaché pour essayer de garder la grinta ? De revenir le plus fort possible. C'était la première fois... de ma carrière où j'avais pas de foot au quotidien. C'était assez particulier, c'est que je pouvais pas aller courir, je pouvais pas jouer, je pouvais pas m'entraîner pour un objectif à court terme. Donc je savais que j'avais une année où j'allais pas jouer. Donc c'était assez spécial comme sentiment. Ouais. Et pour vous qui étiez toujours en train de bouger, hein, les matchs de hockey avec les enfants du village à Reims, ensuite le LS, Xamax, Zurich, tout est allé très vite. Ce coup dur, j'imagine que ça a dû vous faire grandir, ou en tout cas, quels enseignements vous en avez retirés ? Très positif, dans le sens que avant j'étais dans ma bulle, je pensais qu'au football. Qu'aux entraînements, qu'aux matchs, même quand j'avais les vacances, si j'avais 3 semaines de vacances, je faisais 2 semaines d'entraînement, puis je faisais juste 4-5 jours de relâche. Pour moi, le foot, c'était l'endroit où je me sentais le mieux. Donc, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres choses, de voir aussi qu'il n'y avait pas que le football dans la vie. Et qu'est-ce qui vous a intéressé, du coup, en marge du foot ? Est-ce qu'il y a des nouvelles passions qui vous ont permis de vous reconstruire ? Ben, de profiter juste de l'instant aussi, de l'instant présent, c'est-à-dire de passer un bon moment avec, je ne sais pas, regarder un film avec des amis, ou de faire aussi d'autres choses. Parce qu'avant, mon rythme de vie, c'était le football. Et cette période-là, j'ai rencontré ma femme, avec qui on a 2 enfants, donc c'était extrêmement positif. Et puis je suis très content d'avoir vécu cette expérience des ligaments croisés. Voilà, il y a toujours du positif à retrouver. Ouais. Quand on a vécu comme ça, entre guillemets, la tête dans le guidon, dans le football durant des années, et que vous êtes contraint de devoir prendre un petit peu de recul, est-ce que par la suite, votre vision du foot aussi, elle a changé ? Vous avez eu une autre approche ? Oui, parce que je pense que pour être performant à moyen terme et à long terme, il faut trouver un équilibre. Et un équilibre de vie, c'est, on ne peut pas être que dans un truc à 200%. À un moment donné, je pense qu'on n'arrive plus à progresser. Donc il faut trouver cet équilibre, c'est-à-dire d'être bien dans la vie, de sortir aussi de temps en temps, de faire d'autres choses pour être encore meilleur dans le foot. Je pense que c'est ça que j'ai appris. Et le choix de revenir à Zurich, c'était pourquoi finalement ? Vous vouliez faire un pas en arrière pour mieux rebondir, ou vous aviez besoin de vous reconstruire ici en Suisse ? Quand je suis revenu des croisés, le club était vraiment en difficulté au Osasuna. On a changé d'entraîneur, donc c'est un nouvel entraîneur, c'était Camacho. Il ne comptait pas trop sur moi. Il m'a dit, écoute, tu reviens des croisés, tu n'as pas joué pendant une année, on doit se maintenir. Donc je ne vais pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas joué pendant une année et qui n'a pas de rythme. Mm-hmm. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir revenir au FC Zurich avec Bernard Chaland et puis Freddy Bickel, qui me voulait absolument, qui jouait le titre. Donc je suis revenu et ça s'est très très bien passé. Même s'il m'a fallu un petit peu de temps pour revenir à un bon niveau.
Comment est-ce que vous l'avez vécu, justement, le fait qu'à Osasuna, Camacho vous dise voilà, nous, on n'aura pas de place, on a besoin de joueurs qui sont à 150% actuellement pour pouvoir se sauver, d'être un petit peu mis de côté, comment est-ce que vous l'avez pris? Bien, parce que c'est logique. C'est tout à fait normal quand on se met si on se met à la place de l'entraîneur, il doit sauver sa peau. Et le club aussi, et donc ils n'auraient pas le temps pour un joueur qui revient de blessure. Donc en plus, en Espagne, tu ne peux pas jouer avec les moins de 21 ans si tu as un contrat professionnel. Donc pour avoir du temps de jeu, il fallait que je parte. Ouais. Un prêt ou un retour en Suisse. Ouais. Il y a ce retour aux Suisses pour vous remettre en forme, mais voilà, juste avant la blessure, vous étiez au top, on comptait énormément sur vous avec l'équipe nationale. À ce moment-là, est-ce que vous vous dites « la Nati, c'est fini » Non. Non? Non, pas du tout. Non, non, non. Moi, j'étais encore jeune et puis avec Zurich, j'ai fait des très bonnes performances. Non, je ne me suis jamais dit que la Nati, c'est terminé. Vous allez d'ailleurs la retrouver, hein. Ce sera face à l'Australie en septembre 2010. Mais sur toute cette période entre l'ascension fulgurante et puis ce stop un petit peu abrupt, hein, avec cette blessure, en quelques mots, qu'est-ce que vous en avez retenu maintenant avec du recul dans votre vie en tant qu'homme, pas en tant que sportif? J'essaie de trouver le positif de chaque chose dans ma carrière. Donc, je pense que c'est simplement de trouver un équilibre. Pour être performant dans ce qu'on fait, il faut aussi profiter des autres choses de la vie. Donc, c'est ça que j'ai appris. Custodio, c'est bien joué. Centre de Custodio, c'est important pour Marguerite. Poteau, on vient le servir, Marguera direct, et 3. Encore une action d'école, du LS qui cette fois-ci semble tuer le match définitivement. Et c'est Xavier Marguera, l'enfant terrible de Sion qui était parti sur un coup de sang face au président Constantin, qui vient marquer